NBA Youngboy condamné à 23 mois de prison. Découvrez les détails choquants de son arrestation et ses ennuis judiciaires. Le 10 décembre, NBA Youngboy a été condamné à 23 mois de prison pour possession d'armes à feu dans l'Utah. Cette condamnation fait suite à un plaidoyer de culpabilité et met fin à une série d'affaires judiciaires. Il a plaidé coupable d'être un criminel en possession d'une arme à feu. Cette condamnation de 23 mois de prison s'accompagne d'une amende de 200 000 $ et de 5 ans de probation après sa libération. Mais ce n'est pas tout. Cette condamnation met également fin à son affaire d'armes à feu en Louisiane de 2020, pour laquelle il avait également plaidé coupable. Une situation complexe qui semble ne jamais finir pour le rappeur. La dernière décision intervient après que Youngboy a plaidé coupable dans une affaire de fraude aux médicaments sur ordonnance dans l'Utah. Le juge du district de Logan, Spencer Walsh, a accepté de suspendre une peine de prison et a ordonné au rappeur de payer une amende de 25 000 $. Lors de l'audience, le juge Walsh a imploré NBA Youngboy de profiter de son avenir prometteur après sa sortie de prison. « Je suis sûr qu'à l'avenir, une fois que tu auras purgé ta peine de prison fédérale, tu pourras vraiment réussir en probation fédérale et avoir un avenir vraiment brillant », a déclaré le juge Walsh. Pensez-vous que cette condamnation pourrait affecter sa carrière et son avenir? Partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités sur vos stars préférées.